Coucou les gens, c'est Nanou, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien depuis hier? Eh bien moi ça va, très bien. J'ai écouté vite fait la vidéo que j'ai fait hier, enfin je voulais revoir un truc. J'ai la voix quand même de Rocky Balboa quand même, hein. J'ai une voix, on dirait que j'ai fumé 15 paquets de cigarettes. Hein. Alors que je ne fume plus depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans, je crois que ça fait 3 ans. Bizarre, hein? C'est le coco. Ah oui, alors je viens à vous ce soir parce que je me pose une question. J'ai vu ça aussi, c'est quand même super étrange, les frères Bogdanov, sans déconner. Hein? Alors, soi-disant qu'ils sont morts du coco. Hein? Oui, bien sûr. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigasse. Oui. Ils sont morts du Covid. Ah bon. Et c'est pas ça, c'est qu'ils sont morts une semaine l'un après l'autre. T'as vu? C'est bizarre. Il y a d'abord, je crois que c'est Grishka qui est parti en premier et Igor l'a suivi, tu vois. C'est très bizarre. Moi, je dis que c'est super space. Alors, posez la question. Tiens, je vais prendre le Bélin. J'aime pas ce jeu, mais bon. Des fois, il me répond. Enfin, il m'a répondu une seule fois. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui me répond super bien, quoi. Alors, bon, c'est moi. De toute façon, quand j'aime pas un jeu, il me répond pas. Il me répond pas tout de suite. Il va me répondre. On se comprend pas, en fait, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que je vais commencer à comprendre dans 10 ans. Les boules. Non, parce que je lis pas jamais les trucs qui sont... Je sais pas ce que ça veut dire, on s'en fiche. Faut que je comprenne le jeu, moi, d'abord. Et après, j'essaye de lire, voir qu'est-ce que ça veut dire, telle carte, etc., tu vois. Donc, voilà. Mais là, pour l'instant, on se comprend pas. On parle pas la même langue, hein, ça arrive. Hein. Voilà. Ah, moi, c'est très intuitif, hein, comme histoire. Alors, les frères Bogdanov, donc, je disais, de quoi sont-ils dead, hein? De quoi sont-ils dead? En plus, j'avais croisé, je crois que c'était Grishka, j'ai croisé dans le train en allant à Marseille. Je m'étais payé une petite première classe, tu vois. On l'a pété un peu. Non, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment pas trop cher. Tu prends la deuxième classe, c'est pareil que la première. Et il était dans le train. Tu vois, c'est là que tu te dis, oh, j'aurais peut-être dû faire une petite photo, une petite toffe avec lui pour me la péter. Non. Bon, en tout cas, il était pas très grand. Je crois, je les voyais super grands, ces garçons. Finalement, il est pas très grand. Et il est assez... en tout cas, l'air sympathique. Hein, l'air très sympathique. Mais quoi, un peu plus grand que moi. C'est tout, mais pas vraiment très grand, quoi. Deux petits aliens, en fait. Hein. Alors, les frères Bogdanov sont-ils morts? Enfin, ils sont morts, soi-disant, du coco. Les frères Bogdanov, élévation. C'est bizarre. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne me répond pas. Il y a quelque chose qui est bizarre, quand même, parce que... Comment vous dire, j'ai du mal à y croire. Remarque, c'est toujours comme ça, un peu. Bon, ça me dit rien, comme d'hab. J'ai du mal à y croire. Vous voyez, c'est bizarre. J'arrive pas. C'est bizarre. Dans ma tête, je me dis, enfin, dans ma tête, comment dire? Parce que les deux à une semaine d'intervalle, c'est comme si que c'était pas vrai. Je sais que c'est nul, hein, mais bon, je sais pas. C'est un truc bizarre en moi, comme ça. C'est bizarre. C'est comme si que c'était pas vrai. C'est comme si que c'était un plan, t'as vu, c'était, je sais pas, peut-être qu'ils vont se faire cryogéner, là, comment on dit, ils vont se faire refroidir, tu sais, pour revenir dans, parce qu'ils étaient quand même vachement branchés science et tout, donc ça m'étonne qu'ils partent comme ça d'un vulgaire coco, t'as vu, c'est bizarre quand même, je trouve, hein, c'est trop bizarre. Alors, les frères Bogdanov, je me parle comme les jeunes maintenant, faut que je me... Alors, les frères Bogdanov sont morts apparemment du coco. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment El Coco? El Cocorico? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'ils sont vraiment morts du Covid? Bizarre. Je ne sais pas, il y a un truc. Ça rentre pas dans ma tête. I'm sorry. Sont-ils morts du Covid, tous les deux? Les frères Bogdanov, Igor et Grishka Bogdanov. Les frères Bogdanov sont morts du Covid, mais il y a quelque chose de beaucoup plus méchant là-dessous. Attention, il y a quelque chose de très 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 mauvais même, excessivement mauvais. Et on me dit pas que c'est le Covid, moi, pas du tout même. Ah non, on me dit pas ça du tout. C'est bizarre. Il y en a peut-être un qui est décédé d'une maladie. Bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. C'est marrant parce que... Alors, c'est très étrange, mais moi, je les vois pas morts.
Voilà, c'est ce que je vous donne mon impression. Hein, c'est mon impression. Il y a un truc comme ça qui n'est pas normal. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bizarre, c'est bizarre. En plus, là, j'ai l'impression qu'ils sont. Ou alors, ils ne sont pas morts comme on le dit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils ne sont pas morts comme on le dit. Tu vois, genre, ils ne sont même pas morts. Ça se trouve, à l'hôpital, on les a déplacés. Moi, je vois qu'on déplace. On les déplace en voiture. C'est quoi cette histoire? Et il y a quelque chose de très mauvais. Le diable, il est là. Donc, c'est quelque chose de mauvais, en fait. C'est malsain. C'est pas un truc ordinaire, vous voyez, c'est pas une mort ordinaire, c'est pas quelque chose de commun, on va dire. C'est comme si qu'ils ont été déplacés, mais pour moi, ils sont même pas morts à l'hosto. Bizarre, ce truc-là. Et en tous les cas, je vois pas qu'ils sont morts du coco, hein. Pas du tout, même, hein. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille, hein? Ils ont rejoint les étoiles, hein, les étoiles qui est là. Ils ont rejoint les étoiles, certes. Alors, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est bizarre? Moi, je crois qu'on va avoir des nouvelles. On va avoir des surprises par rapport au frère Bogdanov. Voilà ce que je vous dis. Pour moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ils le disent. Je vais quand même prendre peut-être mon jeu à moi. Fais voir. Et je pense qu'on va avoir des nouvelles. Il y a un truc balourd dans l'histoire. J'en suis sûre et certaine. Voilà, moi, je suis comme ça. Vous me connaissez maintenant. Quand il y a un truc qui est louche. Ils ne sont pas morts, comme on le dit. Je ne vois pas de Covid. Je ne vois rien du tout. Je vois plutôt quelque chose de mauvais. Je vois un déplacement... comme si qu'on avait déplacé, on les avait déplacés, on les a déplacés, on les a changés de coin. Je vois pas qu'ils sont morts à l'hôpital en plus. Hein. Il y a un truc mauvais. Il y a un rapport aussi avec la. Peut-être, je vais voir. C'est possible ça avec la justice? Qu'est-ce qui. Si ça se trouve, ils se sont mis en cavale. Non, je déconne. C'est pas bien. Si la famille m'écoute, c'est honteux. Ils avaient des problèmes de justice et se sont mis en cavale. Ils sont dit, allez, hop. Ben quoi? Ah, on sait pas. C'est comme l'autre, là, comment il s'appelle. Celui-là qui est recherché. Là, j'avais fait une voyance sur lui, là, qui est soi-disant mort, qui a tué toute sa famille. Là. J'ai fait une voyance. Moi non plus, je le voyais pas mort du tout, ce mec. Hein. Il a tué toute la famille. Par contre, à ça, toute la famille est passée. Mais lui, il est toujours vivant. Hein. Je ne sais plus son nom, mais j'ai fait une voyance sur lui. Bon, je ne sais pas pourquoi YouTube ne voulait pas qu'on en parle. Dupont de Ligonnès, voilà. Dupont de Ligonnès est toujours vivant. Hein, voilà, il est tranquille, peinard, les pieds en éventail, voilà. Tout ça parce qu'il était en faillite et il ne pouvait plus rien payer, voilà. Ben voyons, oui, j'arrive plus à payer, non, je m'en sors plus. Allez, on dégage toute la famille, on assassine toute la famille et on va se reposer dans un monastère. Hein. C'est un peu ça qu'il a fait quand même. Voilà. Alors, ben moi j'ai l'impression que c'est. Enfin, là, je dis pas que c'est pareil, hein, je dis, mais il y a quand même une histoire de justice bien cracra là derrière. Ou va-t-il y avoir des histoires de justice par rapport à un héritage de quelque chose? Ça va être aussi bien, bien, bien cracra. Et j'ai l'impression qu'on va encore entendre parler de cette histoire de Igor et Grishka Bogdanov, parce que c'est pas du tout naturel. Il se passe quelque chose et de toute façon on va le savoir. Je vais prendre mes cartes 2 secondes, voir si elles me disent plus de trucs. En plus, là, je vois même pas de maladie. Hein. Très franchement, je vois même pas qu'ils sont malades, ni l'un ni l'autre. Attends, je fais tomber un truc. La carte que je viens de faire tomber, c'est le soleil. Pour moi, c'est eux, là, tu vois. Les frères Bogdanov, ils sont là. C'est cette carte que je viens de faire tomber. C'est rigolo, hein. Pour moi, c'est eux. Pour moi, ils sont... C'est bizarre, hein. C'est très bizarre, hein, ce que je vous dis, mais je ne sais pas. Je sais pas, bizarre. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Alors, les frères, bon, bah, écoutez, on va voir la suite. Moi, je pense qu'il y a aussi des histoires de justice, hein, qu'il va y avoir. En tous les cas, ça, c'est clair. Et je pense qu'on va en entendre parler bien dans très peu de temps. C'est une histoire de temps, effectivement. Attends, là, on me dit un truc, mais je comprends pas. Ça m'énerve. Là, on me dit quelque chose, là. Mmh. Je sais pas, c'est bizarre, cet homme. Qui est cet homme-là? On parle beaucoup de cet homme-là, hein, de cet homme. Qui est-il? Il y a un homme plus âgé, là. Un homme... Il y a le pape. Hein, enfin, le pape... C'est qui, ça? Un homme plus âgé, un prof, un truc comme ça. Hein. Peut-être le père de qui? Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est étrange.
C'est marrant parce que il y a la présidente qui sort sur cette histoire, la présidente qui sort sur l'histoire bien pourrie, c'est-à-dire ce que je vous dis là, que c'est mauvais, c'est méchant, c'est pas beau comme histoire. Et la justice, eh ben, il y a la présidente qui sort là-dessus. Un rapport avec Brigitte Macron, vous croyez? Je dis n'importe quoi, hein, je suis mes cartes. Hein. Mais bon, il y a marqué, bon, la présidente, la présidente. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ben ça c'est trop. Non mais je sors Macron, non mais il faut le faire quand même. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Hein? Ils vont partir au Brésil? Non attends, qu'est-ce qui se passe là? Bon alors, indépendamment des frères Bogdanov, je sais pas, il y a le couple Macron qui ressort. Alors ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Hein? Indépendamment des frères Bogdanov. Ils étaient drogués, les amis. Voilà ce qu'on me dit. Ils étaient drogaches. Drogués, ils étaient. Ok? Est-ce que le président et la présidente vont assister? Et la présidente, pas n'importe quoi. Non, c'est ma carte hein, que j'ai surnommée comme ça. Est-ce que le couple Macron vont assister aux funérailles des frères Bogdanov? C'est possible qu'ils assistent aux funérailles des frères Bogdanov. D'ailleurs, ça va étonner pas mal de gens. C'est possible, si c'est ça. En tout cas, il y a un couple connu, hein, un couple de présidentiel, on va dire, qui va assister, à mon avis, hein, aux funérailles des frères Bogdanov. Puisque je parle bien des frères Bogdanov. Hein. Et cette femme. Alors, on parle beaucoup d'une femme d'un autre couple. Une femme. Ouais, on peut dire qu'ils sont là aussi. Hein. Ils sont là aussi, les frères Bogdanov, mais voilà. Donc. Moi, je pense qu'il y a de la, il y a beaucoup de drogue. Hein, je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de drogue dans cette histoire. Hein. Donc moi, on me dit qu'ils sont décédés du coco, je veux bien, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même vachement de drogue dans cette histoire. Voilà, c'est tout ce que je dis pour l'instant, et on va voir. Et en plus, très franchement, là, ça me parle même pas de maladie. Hein. Donc moi, pour moi, c'est plus une histoire d'intoxication. À la drogue, à une drogue, je ne sais pas laquelle, mais il y a une drogue là-dessous. Il y a de la drogue. Il y a un couple présidentiel apparemment qui va assister aux funérailles. Voilà. Et on me dit qu'ils ne sont pas morts à l'hôpital. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. De toute façon, il va y avoir de la. Il va y avoir. On va communiquer sur cette histoire. On va le savoir parce que ça va fuiter. Ça va fuiter dans les. Partout, partout en fait. Hein. Donc voilà, donc pour moi, ils sont même pas morts à l'hôpital. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Par contre, qu'est-ce que vient faire le couple Macron dans l'histoire? J'en sais rien, c'est bizarre. Voilà, moi, on parle de drogue, d'une substance. Va comprendre, Charles. Quelle substance? Je ne sais pas. Ça peut être aussi des. Bah, c'est des médicaments aussi. Hein. À moins qu'on leur ait donné trop. Est-ce qu'on leur a donné, est-ce qu'on les a mal soignés? Admettons qu'ils aient eu le coco, qu'on les a super mal soignés et qu'on ait donné beaucoup trop de médicaments. Un truc comme ça, tu vois. C'est possible aussi. Bon, écoutez, on verra bien. Voilà, je voulais savoir ça, c'est quand même ça m'interpelle, mais quand même, c'est bizarre cette histoire. On verra. Mais je pense qu'on va entendre parler bientôt. C'est pas. Ça m'a pas l'air d'un truc. Ouais, bizarre. Voilà, bien, et ben écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Et puis, on se téléphone, on se fait une bouffe, hein? Ben oui, à la maison, parce qu'on ne va plus au restaurant, nous. Non, c'est fini. Non, on n'a pas de passe vaccinal, nous. Non! Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt, les gens. Ciao.